Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Elsa et je vous enseigne le français de manière authentique. Je poste une nouvelle vidéo tous les mercredis, donc je vous conseille de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater de vidéos. N'oubliez pas d'activer les sous-titres en français ou en anglais et de modifier la vitesse de la vidéo si je parle trop vite ou trop lentement. J'espère que vous allez bien. Ici, en Israël, le déconfinement a commencé. Le déconfinement, c'est le contraire du confinement. C'est-à-dire que progressivement, nous retournons à la vie normale. Les écoles et les magasins réouvrent, les gens retournent au travail et bientôt, nous aurons le droit de voyager et surtout d'aller à la plage. Et j'ai vraiment hâte d'aller à la plage. En France, le déconfinement a également commencé. Et dans votre pays, comment ça se passe? Dites-moi ça en commentaire. Est-ce que le déconfinement a commencé? Bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, on va parler de mes opinions impopulaires ou en anglais, my unpopular opinions. Ça sonne mieux en anglais, on est d'accord. C'est une vidéo que j'ai beaucoup vue sur YouTube et que je trouve très sympa. C'est une élève qui m'a donné l'idée. Donc Réout, si tu vois cette vidéo, je t'embrasse. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, je vais partager avec vous la liste de mes opinions, de mes préférences, contraire à la majorité de la population. Ok? C'est parti, on commence avec la catégorie nourriture. Première opinion impopulaire, je n'aime pas le Coca-Cola et je n'ai jamais aimé ça. En fait, je n'aime ni les boissons trop sucrées, ni les boissons gazeuses. Vous savez, avec des petites bulles, comme l'eau gazeuse par exemple. Je me souviens, quand j'étais petite, j'étais la seule à ne pas aimer le coca. Tous mes amis aimaient le coca. Donc en français, attention, soit on dit Coca-Cola, soit on dit coca seul. Et donc j'étais triste parce que je voulais être comme tout le monde et donc je voulais aimer le coca. Je me souviens, ma boisson préférée, c'était le jus de pamplemousse. C'est vraiment la boisson que personne n'aimait parce que c'est un peu amer. Mais moi, j'adorais ça. Deuxième opinion impopulaire, je n'ai jamais aimé manger chez McDonald's ou manger au McDo, comme les Français disent. Je trouve que les hamburgers ne sont pas bons et les frites non plus. Je me souviens quand j'allais au McDo avec mes amis, soit je commandais une salade, soit j'allais d'abord acheter des sushis et je rejoignais mes amis au McDo avec des sushis. Et vous, est-ce que vous aimez manger au McDo? Dites-moi ça en commentaire. Troisième opinion impopulaire, et en rapport avec le point précédent, je trouve que les hamburgers, c'est vraiment surfait. À chaque fois que je commande un hamburger au restaurant, je suis déçue. Je ne comprends pas pourquoi les gens adorent ça. Je préfère mille fois commander une pizza ou manger un gros plat de pâtes. Mais les burgers, ce n'est vraiment pas mon truc. Quatrième opinion impopulaire, on va passer à un autre sujet, les séries. Alors je suis désolée, ne me détestez pas, mais je ne comprends pas l'engouement autour de Game of Thrones. J'ai vu la première saison, mais je n'ai pas eu envie de continuer. Donc si vous êtes des fans de Game of Thrones, expliquez-moi en commentaire pourquoi vous aimez cette série. Et d'ailleurs, si vous voulez connaître mes séries françaises préférées, j'ai fait une vidéo sur le sujet que je vous laisse juste ici. Donc allez voir ça après cette vidéo. Cinquième opinion impopulaire. Je ne supporte pas quand les films et les séries sont doublés. Je ne sais pas comment c'est dans votre pays, mais en France,
la grande majorité des films et des séries qui sortent en France sont doublés en français. Le doublage, c'est le remplacement de la langue originale du film par la langue du pays, donc ici le français, c'est-à-dire qu'on remplace la voix des acteurs par une autre voix. Pour moi, ça gâche tout. Ça ne fait pas naturel. Et aussi, je trouve ça dommage, car voir des films et des séries en langue originale est un très bon moyen de progresser en langue. Donc, je trouve ça dommage de doubler tous les films et les séries. Sixième opinion impopulaire, en parlant de films et de séries, je préfère 10 fois lire un bon livre que voir un bon film. Si je devais choisir entre ne plus jamais voir de film ou ne plus jamais lire un livre, je choisirais sans hésiter ne plus jamais voir un film. Je trouve qu'avec un livre, on s'attache beaucoup plus au personnage et ça permet vraiment de déconnecter de la réalité. Avec mon travail, je suis toute la journée sur l'ordinateur et donc pendant mon temps libre, je n'ai pas envie de regarder un écran. Je préfère lire un bon livre. Et par exemple, s'il y a une adaptation cinématographique d'un livre, je trouve ça très dommage de d'abord voir le film et ensuite lire le livre. Et en général, je suis toujours déçue par les adaptations cinématographiques des livres. Par exemple, dans ma dernière vidéo, dans ma morning routine, je vous disais que j'étais une grande fan d'Harry Potter, mais uniquement des livres. Je n'ai pas aimé les films. J'ai été déçue par les films. Le seul livre dont j'ai aimé l'adaptation cinématographique, c'est Autant m'en emporte le vent. Donc c'est un de mes livres et films préférés. Et je pense que c'est le seul cas où j'aime autant le livre que le film. C'est peut-être une opinion impopulaire en soi, mais j'adore Autant m'en emporte le vent. Si vous ne connaissez pas, c'est un livre qui fait au moins 1000 pages et le film dure au moins 3 heures, voire 3 heures et demie. Et dans ma famille, on adore tout ce livre. Ma grand-mère, ma mère, ma sœur, moi, on est vraiment des fans d'Autant n'en emporte le vent. Septième opinion impopulaire, donc, j'ai parlé de mon travail et donc mon opinion impopulaire, c'est que je n'aime pas travailler dans un bureau, je préfère 10 fois, 100 fois travailler de chez moi. Je sais que les avis sont partagés sur ce sujet. On me dit souvent « Ah, moi je ne pourrais jamais travailler de chez moi, je ne peux pas me concentrer » ou « C'est bien d'aller au bureau pour voir des gens, pour rencontrer des gens. » Mais moi, je préfère largement travailler de chez moi. Comme ça, je ne perds pas de temps dans les transports. Et je peux organiser mon temps comme je le souhaite. Je pense qu'avec le coronavirus et la situation actuelle où beaucoup de personnes ont dû travailler de chez eux, je pense que les gens ont peut-être changé d'avis sur le sujet et ils ont réalisé que c'est possible de travailler de chez soi et que même c'est mieux. Huitième et dernière opinion impopulaire, je n'aime pas faire du shopping. Je n'aime pas particulièrement acheter des vêtements. Je n'aime pas aller dans les centres commerciaux. Ce n'est pas un plaisir pour moi. Chercher des vêtements, essayer des vêtements, faire la queue pour payer, ça me fatigue et je sors toujours énervée. Je suis toujours de mauvaise humeur quand je sors du centre commercial. De manière générale, j'achète très peu de vêtements et quand j'achète des vêtements, c'est vraiment que j'en ai besoin et je vais faire du shopping avec une idée très précise en tête. Par exemple, j'ai besoin d'un pantalon noir pour aller au travail. Et c'est tout. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire votre avis et quelles sont vos opinions impopulaires, ça m'intéresse. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye !